Salut à tous, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci beaucoup. Salut à toutes et à tous, c'est John, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouvel unboxing. Ça commence à en faire un paquet depuis l'ouverture de la chaîne. Voilà. Toujours, hein, les jolis petits ciseaux. Deux marques Plantronic et deux modèles Gamescom 388. Qui est un modèle de casque quasi d'entrée de gamme de chez eux, en stéréo, avec des écouteurs de 40 mm, très léger, avec tout ce qui est en velours, vous allez voir un petit peu. On va ouvrir ça de manière très douce, pour éviter tout conflit, tout souci. Regarde ça propre, regardez. Regarde ça propre. On va se mettre bien devant. Bien devant. Voilà. Parce que j'aime bien garder les boîtes en bon état. Ça, je vais pas vous le cacher. Et voilà, regardez. Quand on s'y prend bien, on se retrouve avec une jolie petite boîte en bon état. Donc voilà, c'est un casque que j'ai acheté comme d'habitude chez Amazon. Et on va faire l'unboxing tout de suite. Donc c'est un casque pour l'instant PC. Mais nul doute qu'avec un petit adaptateur, on peut l'utiliser sur PS4, Xbox One. Et j'en passe. On va voir le contenu tout de suite. Donc au niveau de l'emballage, c'est relativement sommaire. Voilà, on va se mettre bien. On a un petit emballage avec une protection et le casque en lui-même qui est juste là. Donc on va le déballer. Hein. On va le déballer tout doucement pour éviter de l'abîmer. Protection, qu'est-ce que c'est que ce bins là? Ah, d'accord, ok. Faut vraiment commencer par le bas. Toujours y aller tranquillement sur les emballages. On va faire ça. On va ouvrir ça. Et sortir le câble. Jusque là. On va y arriver. Alors, on a une petite protection. La petite notice. Guide de démarrage rapide. Et le câble qui est juste là. Pas tout déballer, ça ne sert à rien pour l'instant pour l'unboxing. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un casque stéréo qui est très très léger. Bon, esthétiquement c'est assez simpliste, mais c'est dans la lignée des casques gamer, donc il est réglable. Bon, on peut modifier le micro, l'emplacement du micro. Il est réglable en hauteur juste d'un côté, hein, là c'est fixe, regardez, c'est juste par là qu'on va régler. Et par là, c'est pas par l'arceau. L'arceau, en fait, il permet tout simplement de le basculer de cette manière pour pouvoir le ranger plus facilement ou tout simplement le poser autour du cou et sur les épaules. Voilà, donc c'est un casque relativement classique, hein, stéréo. Esthétiquement, il est de bonne facture. Au niveau de légèreté, c'est nickel. Les coussinets en velours, je préfère. Et on a également un câble de 2 mètres avec du jack 3. 5, un pour le microphone et un pour le casque stéréo. Voilà, voilà. Que dire de plus? C'est un casque que j'ai payé 30 euros. Je vous mettrai le lien dans Amazon. Et si on veut le rendre compatible avec PS4, Xbox One et tout autre matériel en 4 pôles sur le 3.5, il suffit de prendre un adaptateur que je vous mettrai dans la description et on pourra l'utiliser partout. Voilà, voilà, les amis. Si vous avez des questions sur ce casque, n'hésitez pas. Je me ferai une joie de vous répondre. Je vous dis à plus. Ciao tout le monde.